Allez, salut, salut les gars, voilà, c'est toujours moi de Sam Hospital et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà, donc avant de suivre la vidéo, essayez d'abord de liker la vidéo pour me donner un peu de force. Voilà, donc comme vous voyez à l'écran, c'est toujours la bouche de Macken pour Michael de MacBen. Voilà, et vous avez été nombreux à postuler à cette bourse là et c'est pas encore terminé. Pour ceux qui ont reçu des messages, vous savez déjà que c'est pas encore terminé. Ils ont envoyé des messages à tous ceux qui ont postulé ou bien à tous ceux qui ont déjà les dossiers qui sont vraiment complets. Voilà, donc une fois que vous recevez ce message, ça veut dire que vous devez maintenant soumettre une admission dans cette université, dans la faculté ou bien dans la filière que vous avez choisi pour la bourse. Voilà, j'espère que je vais me faire comprendre. Ça veut dire quoi? Si je dois reformuler, ça veut dire que vous avez choisi peut-être mathématiques pour la bourse. Voilà. Même si le résultat n'est pas encore sorti, parce que le résultat sera bientôt disponible. Voilà, donc même si le résultat n'est pas encore sorti, vous devez maintenant postuler en mathématiques dans l'université pour avoir une admission. Parce que bourse et admission, c'est hyper différent. Donc, vous allez postuler maintenant pour l'admission. Et si vous obtenez la bourse et que vous n'avez pas l'admission, ça veut dire que vous ne pouvez pas utiliser cette bourse-là dans cette université. Et si vous avez une admission, mais vous n'avez pas de bourse, alors ça sera maintenant à vous de voir si vous allez aller étudier, parce que l'admission donne accès à l'université. Ça sera maintenant à vous de voir si vous allez aller étudier là-bas ou pas. Maintenant, si vous avez la bourse et vous avez l'admission, alors c'est hyper tranquille. Vous allez là-bas pour y étudier et sous votre bourse. Voilà, donc comme vous le savez déjà, la bourse Macken prend déjà en compte tous les frais de scolarité. Donc c'est un peu ça. Donc lorsque vous allez recevoir par exemple le mail que vous allez recevoir dans votre email, dans votre boîte, voilà, vous allez cliquer sur ce mail là et lorsque vous allez cliquer, vous allez voir l'interface qui est là. L'interface qui est là, the scholarship application is now closed for 2023 admission. To apply for the next cohort, sign up by the email number. Donc ici vous avez vu que ils ont traduit en même temps en français, ça veut dire que le concours de la bourse est terminé. Maintenant, vous devez postuler pour l'admission à l'université. Voilà, donc, comme je vous l'ai dit, c'est hyper différent. Vous devez maintenant postuler. Donc, regardez dans vos mails si vous avez des mails qui correspondent à ce que je viens de décrire tout à l'heure. Et vous allez les utiliser. Vous allez cliquer sur le lien qui est dans ce mail-là pour vous retrouver sur l'interface qui est là. Donc, arrivé là, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez cliquer sur « Sign up for an email reminder » ici. Voilà. Et arrivé là, vous n'allez pas remplir ce qu'il y a là directement. Voilà, vous n'allez pas remplir ce qu'il y a là directement. Vous allez comme ça aller dans application ici. Ou bien vous pouvez aussi, on va voir ici, application. Ok, donc si je viens ici dans application, ça me renvoie là. Ok, donc une fois que vous êtes là, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous venez juste là. Il y a application timeline, donc vous allez cliquer sur application timeline ici. Ok, donc vous allez voir les éléments, c'est à dire timeline, c'est à dire le processus de comment est-ce que vous allez postuler jusqu'à la fin. Voilà, on était ici, ils nous ont informé, on a fini, on est venu ici, on a postulé. Voilà, donc après cela on a reçu l'information. Voilà, on a reçu l'information que tous ceux qui ont reçu le message, ça veut dire qu'ils ont un dossier qui est hyper complet. Voilà, donc si votre dossier est complet, maintenant, vous devez passer à postuler à l'admission. Donc, ça veut dire qu'on est ici. Voilà, donc je vais mettre en français, comme ça, vous allez mieux comprendre. Je vais mettre en français pour que on puisse comprendre. Donc, nous sommes là. Ouverture de candidature à McGill. Les candidats à la bourse McGill doivent postuler directement à McGill pour au moins un programme de maîtrise ou professionnel à temps plein admissible. Vous comprenez? Donc, vous devez avoir au moins une admission avant d'utiliser votre bourse pour aller postuler. Les délais et les conditions d'admission au programme varient. Veuillez donc rechercher ce qui vous intéresse. Les candidats à la bourse MacBen doivent postuler avant la date limite du programme ou au plus tard à la mi-décembre 2022 s'ils sont sélectionnés pour les entretiens finaux. Les admissions McGill ouvrent généralement en septembre pour le semestre d'automne suivant.
visiter le site web des admissions au Tantac. Ok, donc, vous voyez un peu, donc on doit maintenant chercher à avoir une admission et à partir de là maintenant, tout ce qui est là, ça viendra plus tard. Donc, pour l'instant, nous sommes là. Donc, on va cliquer sur site web des admissions et tout, pour aller voir un peu comment est-ce que vous allez suivre pour pouvoir postuler. Ok, donc, si vous regardez très bien ici, on peut venir directement ici pour postuler, mais je vais vous montrer un peu quels sont les éléments. Regardez ici, la plupart des facultés ici vont ouvrir, par exemple, comme ça, le 3 octobre, ouverture de candidature, le 3 octobre 2022. Voilà, mais ça ne veut pas dire que ils ouvrent le 3 octobre 2022. C'est vrai que la plupart des facultés, c'est-à-dire à 90%, ouvrent le 3 octobre 2022. Mais la date limite, c'est quand? C'est, vous avez deux possibilités. Soit vous choisissez, vous regardez là directement pour aller voir la date limite et postuler, ou bien vous pouvez attendre le résultat de la bourse. Voilà, si vous êtes nominé pour la bourse, alors vous allez postuler avant mi-décembre. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que peut-être même que votre faculté déjà va fermer le 3 octobre ou bien le 8 octobre. Donc c'est mieux de faire quoi? D'aller voir votre faculté à quel moment ils ouvrent, à quel moment ils ferment. Comme ça, vous allez être prêt pour attendre les dates. Donc ici, les facultés vont ouvrir le 3 octobre. Voilà. Donc, si ça doit ouvrir le 3 octobre, alors qu'est-ce que moi je fais? Je vais venir là pour voir si je peux postuler. Je viens là. Imaginons que moi, ils choisissent mathématiques ou voilà. Donc ici, on dit quoi? On dit la période de candidature pour l'automne 2023 n'est pas encore ouverte. Voilà. Nous vous encourageons à commencer à préparer vos candidatures en examinant les exigences afin que... Donc, vous allez avoir... Entre l'hiver, l'été et l'automne, ça va dépendre de votre faculté que vous avez choisie. Voilà, donc ça sera à vous de voir. Donc, pour être mieux situé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir là, dans le programme ici. Voilà, vous allez cliquer sur le programme et vous allez comme ça essayer de venir voir les programmes. Voici les programmes qui sont là. Si par exemple, moi j'ai choisi l'ingénierie, je viens dans ingénierie. Ingénierie, j'ai choisi peut-être travaux publics ou bien j'ai choisi. Architecture, je clique sur architecture et je vois un peu, c'est toujours ici, le système d'admission pour les candidatures s'ouvre le 3 octobre 2022. Donc ça veut dire que je dois attendre, vous comprenez? Maintenant, si vous devez voir par exemple comme ça les éléments dont vous devez fournir et tout ça, vous pouvez lire là. Maintenant, si moi je dois voir par exemple comme ça la date limite pour automne, c'est-à-dire pour la rentrée de septembre. La date limite, c'est le 15 décembre. Citoyen canadien, permis de résidence du Canada. Donc, ça, c'est pour les étudiants canadiens. Et ici, citoyen non canadien, ça, c'est pour nous. Donc, il y a 15 décembre pour le master professionnel et puis il y a 15 janvier pour le doctorat. En ce qui concerne l'hiver, il n'y a pas de procédure pour l'hiver. Vous comprenez? Ici, pour l'hiver, date d'ouverture de candidature, c'est le 15 février. Vous voyez un peu. Donc ça veut dire que pour l'hiver, ça sera pas vraiment important, c'est pas vraiment la peine. Voilà, donc ça, je parle de la faculté d'architecture. Voilà, parce que il y a tout change. Si je viens par exemple, je peux prendre par exemple ici, je vais prendre peut-être bio-ingénierie. Vous allez voir que tout change, les facultés changent. Ici aussi, ça s'ouvre le 3 octobre. De toute façon, ils ont déjà dit la date d'ouverture. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et ici, pour trouver la date limite, je dois cliquer sur des liens. Je vais prendre ce qui est un peu plus simple. Comme ça, vous allez comprendre que c'est hyper différent. Chaque faculté a ses éléments. Donc, si je prends ici, je vais prendre par exemple agriculture, sciences animales. Ok, ça aussi, c'est le 3 octobre. Ça s'ouvre le 3 octobre. Et la date limite, vous voyez ici. La date limite pour la rentrée de janvier, ici on a le 31 août, c'est déjà passé. Pour les étudiants canadiens ou bien permis d'études, ceux qui ont les permis d'études, c'est le 15 octobre. Vous voyez, maintenant, pour la rentrée de septembre, c'est le 15 mars. Bon, donc, lorsque vous-même vous allez prendre votre faculté, vous allez voir quelle est la date limite et tout ça, parce que lorsque vous remplissez, vous avez pris en fonction des éléments qui sont là. Voilà, donc...
vous devez aller postuler rapidement et aussi un peu plus vite. Donc, je vous ai dit pour postuler, c'est un peu plus simple. Vous allez venir dans Apply Now. Voilà. Vous allez cliquer là pour pouvoir postuler. Et c'est tout. Donc, si vous cliquez là, par exemple, comme ça, s'il savait que vous devez faire pour la faculté, parce que ça vous c'est vous qui avez choisi pour en ce qui concerne les études que vous allez faire là-bas, c'est vous qui avez choisi. Donc, vous savez si vous allez là-bas pour les facultés de janvier ou bien vous allez là-bas pour les facultés de septembre. Donc, si moi je vais là-bas pour la faculté de janvier, je vais cliquer ici. Donc, je clique là et puis je suis la procédure pour pouvoir postuler et m'inscrire. Donc là déjà vous avez vu, on dit ici, je vais traduire comme ça. Donc bienvenue à ça. Si vous n'avez pas de nom d'utilisateur ni mot de passe, si vous êtes un nouvel utilisateur, vous devez créer d'abord un compte pour procéder au service en ligne à l'université McGill au cours de ce processus. Veuillez recevoir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Voilà. Personnel étudiant et diplômé qui a un nom d'utilisateur ou un mot de passe McGill. Bon, ça c'est pas pour nous parce que nous c'est la première fois. Connectez-vous en utilisant votre nom d'utilisateur McGill. Ça, nous, on ne l'a pas encore eu parce que nous ne sommes pas encore dans l'université. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, nous allons d'abord créer notre compte. Et lorsqu'on va créer le compte, on va finir de créer le compte. On va soumettre, on va recevoir notre mot de passe et tout ça. Et à la suite de cela, on pourra maintenant venir là pour pouvoir l'insérer ici et là. Et soumettre, ensuite, se retrouver sur la plateforme où on va chercher à postuler à l'admission. Voilà, donc les gars, c'était moi de Sam Hospital et surtout n'oubliez pas, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Ceux qui ont les questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Voilà, et je vais essayer comme ça de vous répondre. À plus les gars.